Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evoland. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. Ça doit faire un bon petit mois que j'ai pas tourné, hein, sans déconner. Donc l'épisode précédent date d'il y a à peu près un mois, et celui-là, du coup, bah forcément un mois plus tard. Donc du coup, on était arrivé ici après avoir vaincu les 9 vikings. J'en ai fait 3 bonus, au final j'ai rien reçu. Bon, c'était une grosse déception, parce qu'il y a toujours eu des récompenses quand tu faisais plus que la normale. Là, rien, dommage. Et du coup, nous nous apprêtions à défoncer Jon Snow. C'est parti. Alors, vous êtes prêts pour le duel? Oui. Ah oui, je me rappelle de ça, quelle horreur. Oh putain, alors il faut que je fasse les 4. Voilà, on a trouvé un truc. Vous inquiétez pas, on va essayer d'arnaquer le jeu au maximum pour avoir... Oh là là. Ah, j'aimerais bien descendre ça de 2 crans, mais bon, pas possible. Comment on va faire? Aïe aïe aïe. Compliqué. Oh. Oh non, bah non. Si je fais ça, c'est lui qui va faire ça. Oui. Oh oui. Ok, ça m'a gelé menose, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a un tour supplémentaire, c'était le plus important. Comment faire? On va essayer de la jouer tout en finesse. En fait, j'essaye de voir comment on pourrait faire pour aligner 4 gemmes à chaque fois. Mais c'est plus compliqué que prévu. Tant pis. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Je pense qu'on va essayer de le... Ouais, je pense qu'on va essayer de le taper. Ouh, non. Si je fais ça, celui-là, il va tomber. Oh, l'enculé. Ah, quel salaud. Bon bah vas-y, hein, pour le coup. Oh bah non. Oh le con. Le con, il a double tour. Oh. Je suis déçu. Bon, je pense qu'on va utiliser Menos. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va. On galère pas trop. Ouais, 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 ouais. Tu vas te calmer. Parce que là, il fait mal. Hein. Il fait mal, le bougre. Dis donc. Évidemment, si je fais ça comme il le demande, lui, il pourra faire un 4 et il aura un tour supplémentaire. On va éviter ça. Taper. C'est vrai que je pourrais utiliser Menos. C'est pas con. Là il y en a 3, là il y en a 3. Là il y en a 4. Attends. Non, 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 non. Comment on enlève? Voilà. Ouais, bon, il y a que ça. Je peux encore en faire. Là, il y en a 3. Et hop. On gratte vraiment tous les dégâts qu'on peut. Bon, on va se heal. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3 et une épée. Là, il y en a 2. Je pense qu'on va se faire 3 et l'épée. Oui, il m'a laissé un 4. Là. Nice. Putain, il y a tellement de gemmes bleues ici, mais elles sont fermées. Du coup, je peux pas les utiliser, je suis deg. Hmm.
Elle est cool la musique, hein. Ça va, heureusement qu'elle est cool. Voilà. Eh ouais, je vais abuser de ça, tiens. C'est pas con. Il y a assez de gemmes rouges nulle part, donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est ça. C'est toujours ça de prix. Hein. Ah, le fils de... Mmh, y a un 4? Non. Si, tiens. Bon, on a assez fait les gogoles maintenant. Les gemmes sont trop éparpillées. Bon, allez, on se régène. Allez, c'est bon. Bien essayé tout ça, dis donc. Vas-y, on l'attaque. Oh merde, j'ai pas vu ça. Oh là 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 là. Mais de toute manière, on va le battre. On a gagné, c'est sûr et certain, on a gagné. J'ai trop bien joué. Juste, j'essaye de voir la combinaison parfaite. Oh là là, ça fait chier, y'a rien ici. Bon, allez. Oh là là. Bien essayé, mais tu ne peux pas me battre. J'ai gagné. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. C'était pas si compliqué. Vous êtes véritablement de grands guerriers. Bien que n'étant pas viking, vous avez réussi à remporter le tournoi. Félicitations, voici votre récompense. Le livre de Boreas, nice. Un deuxième livre de Boreas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un artefact unique, il ne peut en exister qu'un seul exemplaire. C'est pourtant possible. S'il s'agit bien du livre que Mademoiselle Velvet a trouvé dans la bibliothèque impériale, il doit en exister une version à cette époque. Votre exemplaire est celui qui vient du futur, mais il s'agit bien du même livre. Sir Menos, vous m'impressionnez. Je suis persuadé que vous auriez fait un grand roi pour votre peuple si les démons avaient remporté la Grande Guerre. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'un deuxième livre? On a besoin du fragment de glace de la clé magie. Sérieux, tout ça pourtant dit qu'on le trouverait ici. Je sais pas où se trouve le fragment, mais nous devons impérativement remettre ce livre à l'anarchiviste Largo. Pourquoi? J'aimerais bien moi aussi. J'aimerais bien aussi avoir un livre de glace, moi aussi. Si nous ne le remettons pas, cela signifie que nous modifierons l'histoire. Jamais nous ne trouverons le livre. Je ne trouverai le livre dans la bibliothèque. Et jamais je n'irai visiter les ruines magie sur l'île maudite. Et jamais nous ne rencontrerions. Jamais nous nous rencontrerons. Les conséquences seraient imprévisibles. Elle a raison, mademoiselle Fina. Nous ne pouvons prendre un tel risque. Moi non plus. Je veux pas que tu disparaisses, Velvet. Il me semble qu'on a croisé Slargo dans le village viking. Allons lui donner le livre et partons à la recherche du fragment de glace. Ces étrangers sont décidément bizarres. Je n'ai rien compris à ce que vous vous racontez. Tu ne sais rien, Johnso. Red, je crains que nous n'ayons... déjà trop modifié le cours de l'histoire. Mais j'imagine que ce n'est rien à côté de ce qui se passera quand nous utiliserons la clé magie. Jamais je n'avais rencontré d'humaines comme Mademoiselle Velvet. Elle semble ne faire aucune différence entre les humains et les démons. Les deux sont sujets d'études à ses yeux. Et bah allons voir l'anarchiviste Largo. Il est juste là. Super Mario! Vous! Ici! Quelle coïncidence! Après votre spectaculaire évasion du Colisée, j'ai été licencié. Je dois avouer avoir traversé une courte période de dépression. Mais merci! Finalement, grâce à vous, j'ai trouvé ma voie.
J'ai décidé d'explorer le monde et de rapporter le récit de mes voyages à la bibliothèque impériale. Ce sera l'œuvre de ma vie, les voyages de Largo le Grand. Tiens. Tenez, nous tenions à vous confier ce livre. C'est un recueil très précieux qui date de l'Antiquité Magie. Vous devez impérativement le rapporter en bon état à la bibliothèque impériale. Un livre de l'époque magie? Voilà qui est extrêmement rare. Je ne sais comment vous remercier. Ah si, tenez. J'ai trouvé ce caillou bizarre dans la caverne gelée. Il vaut certainement pas grand livre, pas votre livre, mais c'est tout ce que j'ai à vous donner. Bien sûr que si, que ça vaut notre livre, voire même plus. Encore désolé de ne rien avoir mieux à vous échanger contre ce livre. Je pense que cela suffira. Je vais continuer à explorer le vaste monde, bonne chance à vous. Eh bah parfait. On a terminé l'arc viking, on va pouvoir s'atteler du coup au démon. Allez, c'est parti. Le débarquement. Donc, on était allé ici et on avait parlé à Dalkin. Et du coup, il doit être encore là. Hein. Ouais, il est là. Je ne peux pas accepter votre alliance. J'ai des ordres. Là. Elle est là. Mais vous avez une médaille de l'empereur? C'est une marque de confiance absolue. Ce qui veut dire que l'empereur souhaite que je fasse cause commune avec vous. Bien. Je n'ai pas le choix. Les ordres sont les ordres. Vous aurez toute l'aide que je serai en mesure de vous fournir. Yes, on peut recruter et commander une armée et empêcher Magus d'atteindre Démonia. Attention, une patrouille de l'armée de Magus. Nous devons les éliminer rapidement sans qu'ils donnent l'alerte. Super Mario, si j'en crois tes amis, tu es un stratège de talent. Je ne peux te confier le contrôle de notre future armée sans tout savoir de tes capacités. Je te laisse le commandement, ce sera une bonne façon de me montrer ce dont tu es capable. À l'attaque! Oh, le tactical RPG! Vous allez enfin pouvoir. Ah là là, la petite référence à Fire Emblem, évidemment. Mais non! Qu'est-ce que j'ai fait? À Fire Emblem. On va charger. Bah tiens, on va charger. Là aussi. Aïe. Comment on va faire? Bon bah ça va. Ouh, ça fait mal. Waouh, le crit! Et là, c'est le drame. Waouh. Bon, du coup, Dalkin, on l'a pas déplacé, c'est con. Bah, j'ai fait ça pour rien. Bon, tu peux le défoncer, non? Presque. Ok, parfait. Parfait, quelle victoire éclatante. Super Mario, tu as l'étoffe d'un grand commandant. Tu sembles décidément avoir de nombreux talents. Continuons à avancer pour trouver un endroit stratégique où établir notre campement. Ben d'abord, je veux explorer si on a des choses à faire. On avait déjà vu le début, je crois, et du coup ici on a strictement rien. Donc on va avancer. Donc on arrive au poste avancé. Bon, ici, il y a l'air d'avoir rien du tout. Ah. Parfait. Ça doit être le campement de la patrouille que nous avons croisé. Installons-nous ici pour l'instant. Écoute-moi bien, Super Mario. Pour mener une guerre, il nous faut des troupes. Je peux en faire venir depuis l'Empire. Plus nous remportons la victoire, plus les troupes seront motivées à l'idée de rallier notre cause. Va voir ce que tu peux faire depuis la tente de commandement. Puis rejoins-moi pour sécuriser la zone. Ok. Ça, là? Bienvenue à la tente de commandement. Oh, on peut prendre une recrue. Allons-y. Une recrue, parfait. On peut... Non, c'est pas un coffre, ça. Ouais. Bon, on n'a rien, je présume. Ok, bon. Parfait. Nous sommes désormais un peu plus puissants. Continuons à avancer. Ouais, bon, vite fait. Je
crois que les problèmes viennent à nous plus vite que prévu. Oh. Monseigneur Magus, les troupes de l'Empire ont débarqué sur nos côtes. Déjà? C'est impossible. Et pourtant, ils nous attaquent. C'est peut-être ce satané colonel Dalkin. S'il pense pouvoir contrecarrer mes plans avec quelques soldats novices, il se trompe lourdement. Tout à fait, monseigneur. Il se trompe. Seul le colonel Dalkin risque de poser problème. Débarrassez-vous de lui et de et son armée s'effondrera comme un château de cartes. Moi? Bien sûr, vous. Pourquoi croyez-vous que je vous parle de tout ça? Je pensais que cela ferait plaisir de... Cela vous ferait... faisait plaisir d'être écouté, monseigneur. C'est une question de tactique militaire. C'est censé être votre spécialité, non? Alors c'est à vous de mener ces opérations. Je vois. Et je peux refuser? Au combat! Là, ça devient sérieux. Mieux vaut ne pas foncer tête baissée. Passons en revue les compétences de chacun. Je peux vous soigner si vous êtes blessé. Je peux repousser de nombreux ennemis en un coup. Je peux geler les ennemis pour éviter qu'ils ne contre-attaquent. Je peux vous protéger si vous restez près de moi. Et Red? Comme d'habitude, il avance et il cogne. C'est vrai que ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Parfait, en avant. Il avance et il cogne. Non. Là. Quoique non, on va peut-être descendre. Ah, Fina rentre pas dedans. Bon, tant pis. Il a recruté non plus. Ah. Par contre, j'aime pas trop le lieutenant là en bas. Ok. On va mettre la recrue là-dedans. Ah, attends. Ils font plus de dégâts que moi. Ah non. Oh, si le lieutenant vient, je vais prendre cher. Et à deux cases de là, il va venir. Putain, il commence à prendre cher. Ouais, j'en étais sûr. Je m'en doutais. Aïe aïe aïe. Et là. Parfait. Parfait. Excellent tout ça, dis donc. Si je me mets là. Non, suffit pas. Oh, ça touche pas assez loin. Il est gelé, donc il pourra pas contrer. Hop là. Ouah, ma recrue. Par contre, Dalkin, voilà. C'est la fin, je crois. Ouais, aïe, 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 aïe.
Ok, parfait. Ouais, parfait. Je commence à reprendre espoir. Grâce à cette victoire, nous allons pouvoir monter un campement fortifié digne d'accueillir notre état-major. On va pas rester dans ce camp trop sale, trop long. On va pas rester dans ce camp tout sale trop longtemps, j'espère. J'ai besoin de liberté, moi. Rassurez-vous, mademoiselle Fida. Nous ne resterons pas ici. C'est à nous de prendre le commandement des troupes en mouvement. J'ai d'ailleurs étudié la carte de l'île de Démonia. Plusieurs chemins mènent à la capitale. La voie du sud est la plus rapide, mais le gros des forces mobiles des rebelles y s'y trouve. La voie du nord est plus longue, mais plus praticable. L'ennemi a envoyé ses machines de siège par cette route. À nous de nous montrer pertinents dans nos choix. Ils sont raides décidés, ils savent toujours quoi faire, n'est-ce pas? Tu as raison, on verra bien sûr place. Allons-y. Et bah allons-y. Rien en haut. Rien en bas, parfait, allons-y. L'attaque surprise. Hop. On va aller à la tente de commandement qui est juste à gauche. Il reste beaucoup de matériel militaire. On dirait qu'ils ont fui dans la précipitation. Ça ne m'étonne pas, ils ont compris qui c'était le patron. Mais de là à partir sans combattre, je pense qu'ils ont perdu, leur chef qui a sûrement fui. Quand cela arrive, impossible de garder les troupes en poste. Parfait. Si notre seule présence suffit à faire fuir les officiers supérieurs de l'Empire, il suffit de foncer. Je vois une tente de commandement là-bas. Profitons-en pour recruter les troupes. Allons-y. Recrutons. Oh. Alors, on va prendre une recrue. Et un archer. Attends. Ah, 650 la recrue. Y'a un truc? Y'a un truc là. Y'a un chemin qui mène à je sais pas quoi. Ah, bon bah ça sera après. Maintenant! Chargez! Oui, si, y'a un chemin sur la gauche. À mon avis, y'a un truc qui va apparaître. J'irai après. Je crois que nous sommes fixés. Voilà ce qui a fait fuir nos ennemis. On va devoir filer nous aussi. Cela me semble compromis pour l'instant. Laissez-moi leur parler. Ce sont des démons, ils ne feront aucun mal si je parviens à leur expliquer la situation. Sus aux envahisseurs. Du calme. Déposez les armes, je suis Menos, fils du roi Artus. Je suis venu libérer Démonia. Menos? Celui qui a trahi son propre père en amenant des humains et qui pactise avec un colonel de l'Empire? À mort les traîtres! Il va être difficile de les convaincre, Menos. Mais je veux pas les combattre. Nous n'avons pas le choix. C'est eux, c'est nous ou eux. Pardonnez-moi, mes chers compatriotes, mais j'ai une mission à remplir. Alors. Il faut absolument... Oh non. Il faut absolument qu'on charge. Je peux essayer d'aller attaquer. Parfait. Oh, ça tue pas! La recrue. Ok, pour l'instant ça va. Ouais, bon, 11 PV. Bon. Ouh, les dégâts. Par contre, je me fais focus là. Alors, je peux pas passer, donc je suis obligé de le tuer. Fais chier, je crois que je suis dans la merde. Ça c'est bien.
Parfait. On va devoir subir un tour. Pas le choix. Mais là, je vais pouvoir un petit peu clean la zone. Oh putain. Bien bouffe. Petit salaud. Par contre, mon raid, oui, il prend cher. C'est vrai que je disais beaucoup Kuro avant. Ça va. Aïe. Oh, faut que je le sauve. Si lui meurt, je crois qu'on perd. Bon là, il faut qu'on tape. Faut qu'on tape. Menos. Excellent. Et toi? Attends, au pire, on va faire ça. J'utilise Fina sur la fin. Bah attends, sinon au pire, ce qu'on peut essayer de faire. Ah non, ça va pas assez loin. Ouais, je m'en doutais. La recrue qui fait chier. Ici, c'était le meilleur point pour pouvoir utiliser mon skill. Bah tant pis. Faut qu'on tue absolument. J'aurais peut-être dû le garder en vrai. Ah, par contre, je suis à la mort là. Oui. Hein? Ouh, 50. Excellent. Et toi? Et ben voilà. Ce fut simple. La guerre est toujours une horreur. Nous voilà obligés de combattre ceux que nous entendons protéger. Vous m'auriez désolé, Seigneur Menos. Je compatis. Courage, Menos. On va arrêter Magus et on sauvera ton peuple. Quoi qu'il arrive, nous avons désormais deux ennemis. Il va falloir se montrer d'autant plus prudent. J'espère pouvoir sauver plus des miens que nous l'aurons tué. Sinon, en quoi bon? Bon, évidemment, comme je suis assez perfectionniste, on va tout faire. Hein. On va faire les deux chemins. Oui, on a dit qu'on faisait le 100%. Pourquoi j'entends le son de quand j'ai pas de vie? Alors que pourtant j'ai 111 PV. Oh, je comprends pas. Que fais-tu là, toi? Je ne veux pas me battre. La guerre me fait horreur. Dans la famille, c'est mon frère Poutros qui était le plus puissant. Poutros le fort? Tu es donc nulos, le jeune artiste intellectuel. Oui, c'est moi. Nulos. Putain. Vous êtes donc bien le seigneur Menos? Je vous avais reconnu. Malheureusement, Poutros a été capturé et je n'ai rien pu faire. Je vous en supplie, seigneur Menos, retrouvez mon frère et sauvez-le. Je suis sûr qu'il ralliera les démons résistants à vos côtés. Tu peux compter sur moi. Si je le croise, j'expliquerai ce qui se passe ici. Merci, seigneur Menos. Mais pourquoi j'ai le bruit de la... de quand j'ai plus de vie? On monte, on descend, on monte, on descend. Je pense qu'on va monter. Ah si. Les armes secrètes. Lieutenant, nous allons faire le siège de Démonia. Il nous faut à tout prix conserver ces catapultes en parfait état. Je compte sur vous pour les protéger pendant le trajet. Monseigneur, vous êtes un grand magicien. Oui, oui, c'est exact. Vous devez donc avoir d'immenses pouvoirs, des reliques surpuissantes, non? Oui, oui, bien entendu, mais où voulez-vous en venir au juste? Alors, pourquoi nous laisser seuls à pousser ces énormes machines? Vous pourriez les faire voler? Les téléporter? Ou les protéger qu'un bouclier magique? Non? C'est l'heure, je dois vous laisser. Bonne chance!
et la moindre égratignure sur les catapultes sera retenue sur votre solde. Soldats, en avant. Mais... Lieutenant ? Démonia de ce côté. Vous en êtes certain ? Bon, d'accord. Demi-tour ! Mais non, pas moi, vous ! Non, pas vous, moi. Enfin, le contraire. Bon, reprenons depuis le début. Putain, ils sont cons. Ils sont cons. Mais c'est terrible. Ces machines vont faire des centaines de victimes. Effectivement, la guerre risque de tourner court si ces machines arrivent à Démonia. Il faut intervenir. Très bien. Rien ne sert de continuer si ces engins de mort parviennent à leur fin. Réduisons-les en miettes. Alors. Attends. Ouais, tu sais quoi? Oh merde. Je voulais faire un autre archer, mais bon, tant pis. J'aurais peut-être dû d'abord faire un archer en vrai. Plutôt que d'acheter une recrue. Ouais, non, là pour le coup, j'ai mal joué. Non, non, c'est mal foutu. Comme d'hab, on avance, on met la protection. On ramène nos éléments importants, on charge. Non! Toi, je te mets en tête. Les recrues ici. Toi là. Et toi là. Parfait. Oh oh. Ça commence mal. Il y a les piquets qui s'avancent. Wow! Alors, les catapultes sont très dangereuses, il faut qu'on les affronte au plus vite. Ok, faut qu'on déglingue les catapultes. Parfait, je peux essayer de tuer là, non? Excellent. Ok, parfait. Avec avec Red et l'archer, on peut tenter de se les faire un par un. Par contre, les recrues, ça va être recrue contre recrue. Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, faut vite qu'on se dépêche. Il commence à prendre cher le Dalkin. 36. Aïe 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 aïe. Il devient vraiment impératif de absolument se dépêcher de tuer les trucs là. Déjà lui on se le massacre. Parfait. Je dois protéger mes Dalkin en fin de vie. On va devoir le soin. Ah mais attends, super slash. Attends. Bah du coup. Parfait. Je vais me mettre là. Non, on va avancer d'un cran. On va se mettre là. Excellent. On va se mettre là. Oh putain. Oh, nice. Parfait. Ah mince. Oula, par contre il faut que je le soigne. Tour prochain faut que je soigne Dalkin. Ouh. Ça va. Il reste encore le lieutenant, un piquier, une recrue à jouer. Ok.
Bon, le soldat est mort. Lui aussi est mort. Soin sur Dalkin. Oups. C'est vrai que c'est pas comme dans un FE, on peut pas y aller plus vite. Parfait, la recrue du haut est morte. Bon allez, Dalkin. Attaque. Toi. Bah du coup attends. Je peux peut-être essayer d'économiser Velvet. Non. Oh, il a pas de résistance le Menos. On va éviter du coup. Parfait, on a tué le dernier piquier. Mais j'ai pas pu me charger du coup. Il reste... Je peux encore le soigner. Ouais, faut encore que je le soigne. Notre archer peut attaquer? Non, pas encore. Hop, je pense que charger Velvet une fois suffira. Ok, parfait. Voilà, comme ça il ne répliquera plus et on peut l'attaquer jusqu'à ce qu'il meure. On va se mettre là. Parfait. Bon, lui il est trop proche. Enfin, trop loin plutôt. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. J'ai punch. Et oh, il est quand même déplacé. T'es mort. Boum. Et ben voilà. On a détruit toutes les catapultes. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit les seuls dont dispose Magus. Il faut continuer cette route et les rattraper. Sinon, ils s'en serviront pour s'emparer des manias. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a quelque chose ici, là. Non. Bon, ça, c'est la sortie, à mon avis. Ok, bon, il n'y a rien, tant pis. Par contre, le fondu en noir est un peu long. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Oh. La carte de Dalkin. Ah, c'est une carte. On fera le jeu à la fin. Le pont. Lieutenant, le colonel Dalkin et ses amis commencent à poser problème. Il faut les arrêter. J'ai donc décidé de leur tendre un piège. Et si vous pouviez ne pas rire comme ça, monseigneur, vous me collez une de ces chairs de poule. Bon, voilà ce que nous allons faire. Vous, vous restez ici avec quelques hommes. Oui, monseigneur. Vous les attirez comme vous pouvez. Oui, monseigneur. Et pendant qu'ils vous étripent, des renforts surgiront par derrière pour les vaincre. Oui, mon... Je suis pas certain d'avoir saisi tout le plan. Un détail me gêne. Mais non, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Si vous le dites, monseigneur. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Oh, la référence. Du coup, on va passer à la tente de commandement pour passer un deuxième archer. Et la deuxième recrue, on le met en soldat. On achète une autre recrue ou pas? Non, je veux absolument économiser pour avoir un paladin. Un paladin ou un chevalier. Je pense paladin. Ça tanque bien et ça tape plutôt fort. C'est surtout là pour tanker et prendre les coups. Après les chevaliers, tu me diras, ça va plus loin. Mais vous verrez tout ceci dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode des Volantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde.